Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne UBEJ Agivzi, on est parti pour une nouvelle vidéo sur une réincarnation. On est parti pour faire vous parler de la collab avec Nier Replicant qui est arrivée aujourd'hui. Donc c'est jusqu'au 9 ou 10 mai. Donc ça durera 3 semaines. Et donc, les personnes sont disponibles, donc on va parler un petit peu d'eux. Et voilà. Donc on va parler un petit peu d'événements en plus et un petit peu de news. Donc, on parlait de The World Under HP 42 279 en HP, c'est moyen. 5360 en attaque, ça va, c'est élevé. 3255 en défense, assez bas. Il augmente des donne 70% de dommage à un ennemi en 4 coups. Et augmente tous les alliés la critique de 20% pendant 30 secondes. Augmente la critique, augmente les dommages critiques de 20%. Et up l'attaque de 20%. Son arme donne 85% de dommages à un ennemi en 4 coups. Critique dommage augmente de 20%. Excusez-moi. De 50% de dommages à un ennemi en 3 coups et augmente contre attaque de 10% pour 10 secondes. Augmente la critique de 20% pour 60 secondes. Attaque up de 10%. Voilà. Ensuite, canet. En HP 41 807 en HP, donc assez bas, assez moyen. 33 005 en attaque, très bas. Et défense 5355 en défense, donc ça va. Là, ça va. Donc, donne 170% des dommages à un ennemi en 3 coups. Donc, on a des dommages de 40% en dessous de 80%. Donc, elle peut faire des gros dégâts si. Moins de vie. Dommage up par 30% en HP en dessous de 10% de 70% et up ça défend de 20%. Excusez-moi. Dans 110% de dommages à un ennemi en 2 coups et en point les dommages de 20% en dessous de 80%. Donne 45% de dommages à un ennemi en 5 coups et diminue et augmente que les alliés de critique hit de 7% pendant 10 secondes. Dommage up, envoie le dommage de 15% en dessous de 70% et augmente la critique de 10%. Et Emile. 36 714 en HP, c'est très bas. 5134 en attaque, ça va. Et 4270 en défense, c'est assez moyen. Donne 520% de dommages à un ennemi. Et augmente la base des combos en long. Up de 20% attaque et up 20% de la défense. Donne 50% de dommages à un ennemi en 4 coups et aussi à 20% de chance d'infliger un stun pendant un tour. Donne 15% des HP à tous les alliés. Up sa légitimité de 15% et up 10% des HP. Donc voilà. Donc voilà, au cas où c'est des très bons persos, hein. Je les ai déjà pas mal de temps. C'est des très bons persos. Voilà. Parmi les trois, voilà, je vous dis, c'est des très très bons persos. Que ce soit le héros, que ce soit Kanye, voilà. Personnellement, j'ai les trois, c'est des très bons persos.
Voilà, si tu veux invoquer pour un perso précis, bon, si j'ai les trois, tant mieux. Ben sinon, voilà. Parmi les trois, franchement, ben si mais je devais avoir deux sur trois, c'est bien, quoi. Je veux dire, voilà, donc, voilà. En tout cas, si vous les voulez, c'est là. Au cas où, c'est des persos inédits. Ils auront pas, pour l'instant, ils auront pas de, voilà. Pour l'instant, voilà. C'est que du exclusif. Donc, si vous voulez, c'est maintenant. Il faudrait pas avoir ailleurs que là. Sauf si, pas, si, je sais pas si dans le futur, feront des portails avec ces persos inédits, mais bon. Et voilà. Si on vous dit, donc, si vous voulez voler, c'est maintenant. Et merci à vous, salut. L'événement, ils sont pas venus seuls, hein. Je veux dire avec l'événement. Je me suis trompé, forcément. Donc, subsquest. Ah. Vous avez l'événement, hein, en question. Voilà, donc, bon, malheureusement, si vous êtes parmi des vieux joueurs, vous avez fait la première fois, voilà. Malheureusement, si vous avez si déjà fait la première fois, vous serez un petit peu, voilà, un peu deck. L'événement sera fait. Bon, voilà. Malheureusement, si la première fois vous n'avez pas fait, forcément, au coup, ça fait comme, il y a comme 6000 orbes, hein. Il y a comme 6000 gemmes, donc ça apprend, mais bon. Tous ceux qui ont déjà fait, voilà, c'est comme avec un Nier Automata. Voilà, malheureusement, mais vous n'aurez pas grand chose à farmer. Mais à part farmer les pièces, bien sûr, si vous farmez les pièces, bon, j'ai déjà acheté, donc vous savez, il y a 4 personnages à farmer, ces 3-là, plus le Aldo. Le free to play 4 étoiles. Voilà. Si vous voulez voir le test du free to play, je vous mettrai le lien de sa vidéo, de la vidéo que j'ai fait dans la description. Donc il y a eu en plus Algo. Moi, ce que je fais, je donne un conseil pour ceux qui les gens qui auraient pas forcément beaucoup d'armes maxées. Les 4 étoiles maxées. On sait que les 4 étoiles, ça peut prendre un certain temps, parce que tout ce qui est premium, on va pas se mentir, tout ce qui est premium, etc. C'est très long de les avoir à maxer. Donc au cas où, si voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de 4 étoiles, moi j'ai acheté l'arme. Après, vous avez une multi à faire. Vous avez indiqué multi. Ouais, c'est au fond en fait. Parce qu'elle est au fond. Voilà, donc vous avez ce free to play là qui était disponible. Bon, si j'avais fait la première fois, ce que serait intéressant, c'est de conserver son arme. En cause, si j'ai pas beaucoup d'armes dans le jeu, là, ça serait intéressant de conserver justement une deuxième arme. En cause, si vous n'avez pas beaucoup d'armes, 4 étoiles maxées. Moi, c'est ce que je conseille. Après, vous avez les tickets. Donc, ça, c'est une multi. Bon, je l'ai fait, j'ai rien eu. J'ai eu que dalle. Et après vous avez ceci. Donc ça vous sert de. Ceci c'est pour les armes. Donc ça apparaît de temps en temps dans les événements. C'est pas tout le temps. Mais il faut voir. S'il y a ça faut acheter. Il n'y a pas à chercher, faut acheter. Et voilà. Donc sinon voilà. Vous avez le argot qui est disponible. Donc vous le faites. Hein. Vous allez voir ce qu'il fait. Je mettrai la vidéo de son test dans la description. Voilà. Voilà, donc. Sinon, ben, vous avez. Si au cas où vous n'avez pas à dropper les trois Gugus, vous avez comme cela. Hein, au cas où ça reste des 3 étoiles un petit peu exclusifs. Hein. Vous les aurez pas ailleurs. Hein, que là, hein, donc quoi. Si, par exemple, si au niveau des invocations, ça se passe mal. Mais vous avez comme ces trois-là, c'est comme 200 pièces à acheter. Ça va vite, hein, moi. J'ai fait un free to play. Quand tu fais. J'aurais fait comme le jeu, en une journée, le perso était maxé. Donc, voilà, donc peut-être pour ceux qui. Peut-être pour les dedans, acheter les trois, puis former plusieurs fois pour acheter le Algo.
Argou. Voilà. Sinon, voilà. Si vous avez un petit ticket, c'est 800 points, hein, ça va très vite. Enfin, voilà. Tous ceux qui l'ont fait, pardon, vous pouvez pas le refaire. Hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, je sais pas à quel moment. Donc, maintenant, si vous l'avez fait la première fois, ben, vous pouvez pas le refaire. Enfin, si vous pouvez le farmer, mais sans rien, quoi. Voilà. Donc, le Argo est très bien. Même s'il n'est pas. Voilà. J'ai fait le test du personnage. Vous avez les pierres ici. Ah, si, voilà. Donc, maintenant, logiquement, lors du live d'hier, normalement, le jeu offre 3000 gemmes. Donc, il y a une bonus de collection, forcément. C'est une arme gratuite. Je l'ai déjà, hein, forcément. C'est une arme gratuite, plus un bouquin que j'ai déjà. Ouais. Logiquement, enfin, c'est un pas, sérieusement? Ah, à moins qu'on l'aura plus tard. Normalement, le jeu offre 3000 gemmes. On sait pas, est-ce que ce sera un peu plus tard, c'est possible. Normalement, le jeu doit offrir 3000 gemmes. C'était sur la Jap. Ce serait un peu dégueulasse s'ils offrent pas 3000 gemmes sur la Jap. Enfin, sur la Glo. Voilà, donc. On va parler de ce qui va arriver. Donc, 2 minutes. Que je trouve. Juste 2 minutes. Voilà, donc lors du live, donc hier 1 heure, il devait y avoir un live spécial hier réincarnation. Donc je me suis tapé 1h20 de live. Bon, il n'y avait pas trop d'informations. Donc je me suis dit, je vais attendre le lendemain avec la collab pour vous en parler. Donc voilà, donc il y aura bientôt, je pense. Là, je pense que c'est pour la Jap. Ils auront la fin du chapitre, du nouveau chapitre. Je pense qu'il y aura bientôt la fin du nouveau chapitre. Forcément, ce qui va arriver après, je pense, il y aura, voilà. Apparemment, il y aura une histoire. Donc, sur l'histoire principale, il y aura droit au perso de Nier Automata et du héros de Nier Replicante. Apparemment, ils auront une histoire un petit peu. Ils auront une histoire principale. Du coup, je me rends en tête, est-ce que on va avoir des persos de Nier Automata, de Replicant en version premium. Voilà, en version premium. Voilà. Si c'est premium, tant mieux, hein. C'est du gratuit. Voilà. Enfin, pour moi, j'invoquerai gratuitement, hein, ces persos. Donc, logiquement, je suppose après, hein, je suppose qu'après le chapitre 2, après la. Une fois que l'histoire est terminée, je suppose qu'on aura un petit peu à parler de ça. Enfin, je suppose qu'on va parler de Nier Automata et de Nier Replicant. Je pense que sur la Globa, ça va pas arriver tout de suite. Hein. Ça va arriver un peu plus tard, je pense. Voilà. Sur la Globa, je pense que ça doit arriver un peu plus tard. Au cas où. Hein. Donc là, c'est à partir du 22 avril. Peut-être. Nous, je pense pas que ça risque d'être long. Hein. Peut-être faut compter 1 ou 2 mois après, je pense, qu'on devra revoir ça. Faut compter peut-être dans 2 mois, facilement, je pense. Ouais, mais sauf qu'au niveau des histoires, on semble un petit peu décalé, hein, par rapport à la Jap. Faut compter peut-être 1 ou 2 mois de décalage.
l'impression qu'on a quand même pas mal de. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux mois de TK, je pense, avec les persos premium. Donc peut-être dans 2 mois, hein, peut-être. On aura peut-être aussi dans 2 mois. Voilà. Et dans le live, le jeu Drakengard 3 aura une réédition. En tout cas, l'un des interviews a parlé du jeu Dragon 3. Donc, apparemment, il y aurait une réédition du jeu. Donc peut-être il y aura une réédition sur PS4 du jeu. Donc ça, c'est cool quand même. Dès que Drakengard 3 sera dispo, je vais l'acheter. Voilà. Sinon, voilà. En termes de news, il n'y a pas trop de news. Après, je suis assez gêné pour qu'il n'y ait pas de 1000 gemmes sur la glow. À moins que ça soit un peu plus tard. Ça, faudra voir. Sinon, normalement, dans le Jigo, s'ils font sur la Java, ils envoient les mêmes trucs. Tout ce qui est que là, bon, ils envoient la même chose. Donc, quoi. Donc, pour le mode d'histoire, je pense, voilà. Pour la fin de l'histoire, je pense qu'il faudra un petit peu attendre, je pense. Sur la glu, il faudra attendre. Mais au côté, dans 2 mois, je pense. Hein. J'ai l'impression que ça va. Parce que l'histoire de avec la lune, c'est arrivé assez vite, en fait. Donc avec le truc lune, soleil et lune. Bon, il y aura le dernier chapitre. Et je pense après, il y aura ça. Nous, sur la gauche, faudra attendre. Faut compter 1 ou 2 mois. Facilement. Donc voilà, donc c'était une vidéo sur Nier réincarnation. Donc là, vous avez les persos de Nier Rubicon qui est disponible. Vous avez Argo à farmer, qui est gratuit. Voilà, je vous mettrai le lien de son test dans la description si vous voulez voir ce qu'il fait. Voilà. Au cas où, je prévois aussi, voilà, dès que. Peut-être je ferai aussi son test une fois que j'aurai son arbre de compétences maxé. En fait, je me rends compte, en fait, pour l'arbre de compétences, en fait, il n'y avait pas qu'une arme. Enfin, je dis, marrant, pas rendu tout de suite compte, lorsque vous montez l'arbre de compétences. En fait, les persos n'ont pas une arme, ils en ont deux. Enfin, quand j'ai voulu rencontrer lui, donc forcément je augmente les persos gratuits que j'ai maxé. Là j'ai commencé à maxer l'arbre. En fait je me suis rendu compte si vous faites ça. Donc, en fait il y a deux arbres. Enfin il y a pas que deux. Il y a pas qu'une, en fait il y en a deux. L'autre c'est des autres objets. Voilà donc c'est ça. Pour l'instant je sais pas où les farmer. Voilà c'est Enfin, ils ont deux. Ils ont deux arbres de compétences. Là, forcément, je pensais d'abord monter celle-là, donc la première. Une fois que j'aurais mis à 100%, peut-être je ferai un test avec l'arbre 100%. Pour voir un petit peu ce que ça donne, une fois maxé. Au cas où je fais d'abord les gratuits, je pense. Voilà, parce que avant ça, ils sont maxés, donc. Je vais d'abord m'attaquer à eux, je le mettrai à 100%, et pourquoi pas refaire les tests avec l'arme montée, parce que ça donne quoi avec l'arme montée. Donc possible, voilà. Une fois que j'aurai mis l'arme à 100%, ça prendra du temps, hein. Mais une fois que j'aurai mis l'arme à 100%, on fera un test avec le perso. Au cas où ça touche tous les algos, tous les argos, que ce soit gratuit ou au premium, au spécial. Ça touche tous les argots. Donc même les gratuits, donc ça va aussi augmenter le gratuit. Donc. Alors c'est pas que ça touche. À moins que les gratuits soient épargnés par l'arbre. Attends, je vais voir 2 minutes. Normalement ça touche tous les algots. Quand vous montez l'arbre d'algo, ça doit toucher tous les algots. Voilà, vous voyez, ça a augmenté un petit peu. Normalement, il y avait à peu près 18 000 de puissance. Là, il y a plus de 23 000 de puissance, donc ça a bien
Donc, ça augmente tout l'argot. Même si c'est un free to play, ça augmente. Donc, une fois que j'aurai maxé l'arbre, je pense qu'on fera un test avec le perso. Ce que ça donnera à 100%. Hein. Voilà. Sinon, voilà, mon conseil, voilà, pour l'arbre. Au cas où, moi j'ai conservé la deuxième arme. Pour ceux qui débuteraient il n'y a pas très longtemps, j'aurais fait certainement la première fois. Moi personnellement, j'en conserve une deuxième fois les armes. Parce que voilà, j'en conserve une deuxième arme, une deuxième. Voilà. Donc c'était une vidéo souvenir, réincarnation. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, si vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez. Donc, je mettrai le test de Argo dans la description, c'est le voir ce qu'il fait. Bon là c'est sur l'arbre, on peut dire on fera avec l'arbre de compétences. Voilà. Prenez bien soin de vous. Après je sais pas pour les 3000 gemmes. Normalement, ça serait que sur la Jap, ce serait bizarre, mais bon, à moins que le 3000 gemmes, c'est pour la Jap. Bon, mais bon, voilà. Après, sinon, si c'est parfait, moi, j'ai de quoi faire. Vous aviez 6000 gemmes à récupérer, c'est comme le multi-ticket. Donc, en tout, vous avez comme 3 multi, hein, avec l'événement. Par contre, pour ceux qui l'ont fait, normalement, ça, c'est comment. Si j'avais fait la première fois, mais heureusement les gemmes, c'est un peu dans le pif, hein, mais bon. Mais bon, moi, logiquement, la prochaine fois, quand je vais retrouver, je pense que ce sera pour un perso premium. Hein, voilà. Moi je conservais en coach, j'économise pour la prochaine collab. Hein. Si j'économise, c'est vraiment pour la prochaine collab. C'est pour Drakengard 3. Pour l'héroïne de cette pour l'héroïne que je veux conserver mais j'aime. Voilà, donc j'ai aimé commenter, aimez si j'ai aimé mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est quoi, on va faire l'amitié gratuite. Ils avaient toujours un petit outil gratuit, ce qui est bien. Je sais pas si j'ai eu dans l'onglet mon communauté, j'ai eu mon premier 4 étoiles dans cette multi à 5. J'invoquais tous les jours. Hein. J'ai eu mon premier 4 étoiles. Et c'est un nouveau perso. Là, je sais pas si qu'il y aura quelque chose. Mais non, mais il n'y aura rien. D'étoiles, il y aura un autre. Voilà, pour les billets, c'est à vous et à la prochaine.